Bonjour, nous sommes lundi 7 mars, si je ne me trompe pas. Oui, ça va être ça. Donc, il est déjà 10h30. C'est la rentrée pour nous aujourd'hui. Les enfants sont tous repartis à l'école. Les filles, avec plaisir. Maddy était un peu fatiguée parce que pour le coup, il s'est réveillé à 6h45 et du coup, il n'avait plus l'habitude. Donc, un peu fatigué en arrivant à 9h à l'école. Et Adam, bah, pareil, fatigué. Le réveil était dur. Et je le sentais stressé, donc je ne sais pas si la journée va bien se passer, j'espère que oui. Mais il n'était pas dans son assiette, hein. Je ne sais pas pourquoi, il n'a pas voulu en parler. Et il voulait même pas me regarder quand je disais de passer une bonne journée. Donc j'espère que ça va aller, qu'il va pas trop stresser, se prendre la tête. Mais bon, c'est pas gagné. Déjà avec ce qui s'est passé avant les vacances, et pourtant je pensais que c'était passé, mais je crois pas. Donc on croise les doigts, on verra bien ce soir comment s'est passée la journée. Noé là, il est en bas, il est en train de jouer au Lego. Moi j'ai déjà préparé les yaourts, ils seront prêts ce soir. Et là ce que je voudrais faire, c'est m'avancer pour les goûter toute la semaine. Parce qu'à faire au jour le jour, franchement c'est chiant. Ça me prend du temps tous les jours, alors que là si j'allume le four une fois, bah, je peux faire tous les trucs à la chaîne. Mais le souci, c'est pour les conserver parce que j'ai pas beaucoup de boîtes de conservation. Je pense que je vais faire d'abord un gâteau au chocolat qui sera mangé cet après-midi. Et je vais préparer des cookies, pépites de chocolat, noix de coco, choses comme ça, que je vais mettre dans une boîte hermétique. Je crois que j'en ai deux. Il y en a une, c'est sûr, elle est vide, donc elle est dispo. Et la deuxième, faut que je vois. Et j'ai des bananes au congélateur que j'avais coupées en rondelles parce que j'en avais trop de bananes qui étaient très très mûres et je savais pas quoi en faire. Je les ai mis au congèle. Et hier soir, je réfléchissais à quoi en faire parce que franchement, j'en ai aucune idée. Et après, je me suis dit pourquoi pas, je veux faire une compote avec les pommes que j'ai achetées. Donc, je pense que je vais faire pommes-bananes. C'est super bon. Je pense que je vais faire ça, comme ça, elles vont décongeler, je vais pouvoir les mettre. Et ça fera plus de quantité en plus. Et ça va me libérer une grosse boîte parce que pour le coup, c'est une grosse boîte qui est au congélateur. Donc, j'allais faire tout ça. Et pendant que j'ai pris mon petit déj il n'y a pas longtemps. Donc. Ça va m'éviter de grignoter dans les biscuits. Et puis, il faut que je range le bas aussi. Il y a plein de jouets partout. Tout est mélangé. Donc, j'ai du boulot pour cette journée du lundi. Thank you.
passage de la pâte pour la brioche avec la machine à pain. L'autre jour, j'ai vu une vidéo avec une machine à pain et du coup, ça m'a donné envie de ressortir la mienne. Mais j'ai pas 50 000 endroits pour la mettre. Je l'ai mis juste à côté des yaourts qui sont en train de se faire. Sauf que normalement, pour les yaourts, il faut pas de vibration. Il faut éviter les vibrations pendant qu'ils sont en train de se faire. Et ça vibre vachement. Là, on est juste au début, donc ça va. Mais après, j'ai peur que ça soit pas top. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Voilà. Je reprends vite fait. Alors, je pense que j'ai bien avancé. Donc, j'ai fait deux tournées de cookies. Le gâteau au chocolat est prêt aussi. J'ai mis à pétrir la pâte pour les brioches. Entre temps, Noé commence à avoir faim, donc je vais faire réchauffer les pommes de terre et les petits pois d'hier soir. Là, on est au dessert, il est en train de finir sa banane. Et moi, je me suis fait un hamburger vite fait, ça fait super longtemps que j'en ai envie. J'en avais fait aux enfants la semaine dernière, mais je crois que moi, j'avais juste mangé des restes. Donc là, ça fait du bien. Je fais la pause et puis après, je pense que je vais enchaîner avec le ménage quand Noé va être à la sieste. Ouais. Comme ça, il va pas redéballer les jouets pendant que moi, je vais les ranger. Et donc voilà, donc je dis bon appétit et à tout à l'heure. Bon, il est 13h15. J'ai essayé de mettre Monsieur Noé à la sieste. Il est réveillé quand même depuis ce matin, 6h30. Mais Monsieur Noé ne veut pas s'endormir. Tu veux faire dodo? Ouais? Coquin. Ah, jouer au Lego, d'accord. C'est mieux les Lego. C'est mieux que la sieste. Bon, mais il veut jouer au Lego. Moi, je me serais bien endormie. Bon, bah, puisque monsieur veut pas dormir, moi, je vais aller prendre un café. En espérant qu'il se fatigue pendant qu'il joue au Lego. Il est 14h30. C'est une vraie pile de race à lui. Depuis 6h30 ce matin, ce n'est que maintenant qu'il s'est fatigué. Bon, entre temps, j'ai mis la compote à cuire et là, elle vient de se terminer. Ça sent super, super bon. Ça donne trop envie de manger, mais vu que c'est brûlant, je peux pas. Donc, j'ai juste à attendre que ça refroidisse un petit peu. D'ailleurs, vous ne voyez pas, je suis dans le noir. Je vais attendre que ça refroidisse pour la mixer, sinon je vais me brûler. Après, j'aurai plus qu'à les mettre dans les pots. Donc voilà, les brioches sont en train de lever. Donc moi, vu que maintenant Noé dort, je vais pouvoir m'occuper d'aller faire les salles de bain et étendre mon linge. Du coup, il attend depuis ce matin. Bon, je vous dis à plus tard.
voilà le résultat de ce que j'ai cuisiné donc en sucré. Donc voilà les compotes pommes bananes, les cookies, il y en a déjà deux ou trois de parties malheureusement, le gâteau pour le goûter d'aujourd'hui et les deux brioches au chocolat qui ont bien bien gonflé. Bon, je me reprends, il est bien plus tard, il est 18h30. Alors, tout à l'heure, quand Noé s'est endormi, finalement, j'ai pu étendre mon linge, mais surtout après, j'ai pu commencer à monter ma vidéo de la recette du tagine de poulet. Et j'étais concentrée, il y avait plein de trucs à faire et j'ai manqué louper leur défi. À 16h20, j'ai dit, tiens, qu'il est réglé. Et normalement, j'aurais dû être partie depuis au moins 5-10 minutes. C'était un peu limite, je me suis dépêchée. En plus, Noé, il a fallu que je le réveille, je lui mets ses chaussures, le manteau. On était à l'heure, hein, heureusement, parce que Rose sort toujours en retard, donc ça nous a sauvés. Et il fallait que je me dépêche de récupérer Marie, Maddy, parce qu'après, il fallait que j'aille retourner chercher Adam aussi au collège, qui sort juste 10 minutes après elle, mais en fait, quand lui sort, je suis encore à l'école des filles. Donc voilà, enfin, j'ai quand même réussi à récupérer tout le monde. Tout le monde a passé une bonne journée. Je pense que le soleil de l'après-midi a dû jouer aussi. Ça a dû leur faire du bien, même s'il fait quand même pas très chaud. Un vent du nord qui rafraîchit vachement. Donc voilà, la journée s'est bien passée pour eux. Moi, je suis contente de ma journée aussi. J'ai réussi à faire plein de choses. J'ai l'impression que ça n'avait pas roulé aussi bien. Ça remonte le moral aussi. Même Noé, il était super mignon aujourd'hui. Il ne m'a pas embêté. Il n'a pas fait de crise, pas de colère. Donc c'est cool. Puis là, en plus, il a fait une bonne sieste d'une heure et demie. Ouais, c'est ça, une heure et demie. Donc c'est bien reposé. Donc là, tout le monde a pris le goûter, ils ont mangé du gâteau au chocolat. Une compote aussi pour Marie. Elle n'a pas pu résister. Et là, pour ce soir, j'ai préparé un risotto de poulet et courgettes. Bon, j'espère qu'ils vont le manger parce qu'ils n'aiment pas la courgette. Alors, j'ai mis des tout petits morceaux en espérant que ça passe. Et il faut que je vois par contre pour préparer un truc pour Marie demain midi. Je vais voir avec ce qui reste. Ouais, faut que je regarde dans les légumes ce que un petit truc qui peut compléter pour demain, peut-être une salade, quelque chose comme ça. Ouais. Et là j'ai une machine à étendre, elle est terminée, donc je vais l'étendre, le séchoir est vide, donc je vais pouvoir m'en occuper. Et après redescendre, normalement il n'y a pas de devoir pour demain. Là on a juste des révisions, mais normalement c'est fait. Donc voilà. Bon bah cette aura été une bonne journée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt.